Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se trouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo crash test. On va tester ensemble les transferts donc de la marque Keysign. Donc, il s'agit en fait de feuilles de transfert où vous avez plusieurs motifs dessus, donc notamment ce motif principal. Et d'autres petits motifs que vous pouvez donc thermocoller sur différents supports, donc pourquoi pas des accessoires mais aussi des vêtements, à l'aide de fer à repasser. Et donc, alors là je vois c'est une planche avec plus de 15 motifs donc à découper pour rendre vos basiques uniques. Donc moi personnellement j'adore le design principal. Donc c'est c'est des femmes qui dansent autour de la terre, entourées de fleurs, et donc perso j'adore. Et je trouvais ça vraiment super sympa pour customiser, pourquoi pas donc un tote bag notamment. Donc moi j'ai choisi ce tote bag, voilà, qui est super simple en fait, qui est tout neutre. Et donc je me suis dit pourquoi pas le customiser et voir comment bien réaliser un transfert. Donc on va ouvrir le kit ensemble. Alors oui, j'ai déjà préparé donc ma table à repasser pour qu'on fasse tout le processus ensemble. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce kit? Donc je pense qu'on a vraiment juste l'essentiel. Ça c'est top parce que ça fait pas de déchets superflus. Donc là on a... Ah, j'ai eu peur. Je m'attendais pas à ça. Ok, alors c'est super parce que le mode d'emploi du coup est sur la fiche, donc ça pareil, ça fait pas de déchets en fait superflus, ça c'est top. Donc voici les infos importantes. Donc là on a tous les motifs. Donc en soi on en fait ce qu'on veut. Ça m'a perturbé, mais oui en fait le motif il est là. Donc mode d'emploi, placer le motif sur le tissu, régler la température du fer selon le tissu utilisé, repasser à sec sur le papier. Ok, 30 secondes en appuyant fortement, laisser refroidir puis retirer le papier. Ok, donc c'est vraiment super simple. Et bah du coup on va faire ça tout de suite. Alors donc moi je vais... J'ai choisi ce motif principal, donc qui est composé de plein de petites fleurs juste ici. Mais en soi, je pense qu'en fait, ces petites fleurs, si on les veut pas, et ben on n'a pas besoin de les mettre. Mais moi, je veux quand même les garder parce que je les trouve très sympa. Donc, je vais commencer la découpe. Donc, je découpe uniquement ce dont j'ai besoin. Et vraiment, perso, moi, ce transfert, il m'a tapé dans l'œil parce que je trouve qu'il a des couleurs juste magnifiques. Alors après, à voir si elles ressortent bien sur le thermocollant, mais vraiment, je trouve juste les couleurs magnifiques. Donc ça, évidemment, je garde de côté. Et donc, je vais passer au thermocollage de ce sticker. Donc c'est parti. Alors, on se retrouve sur ce plan. Alors déjà, pour commencer, je vais bien repasser mon tote bag. Donc j'avais préalablement fait chauffer mon fer. Et donc là, je vais bien aplatir, enfin, je vais repasser mon tote bag pour qu'il n'y ait vraiment aucun pli. Là personnellement sur mon fer j'ai la puissance max pour coton, comme le sac est en coton. Donc là en plus ma base est déjà un peu chaude, donc ça c'est bien, ça va bien pouvoir adhérer. Et donc là ensuite je prends mon motif, donc j'ai cette partie là que je vais placer contre mon sac et je vais essayer de placer au centre. Calcule pas trop, mais hop. Et là du coup je fais comme ce qu'ils m'ont dit, donc je place mon fer sur le papier en appuyant fortement pendant à peu près 40 secondes. Moi je vais faire comme ça, surtout je ne mets pas de vapeur. Et c'est parti.
là je suis pas mal, je pense. J'ai bien envie de rajouter quelques petits motifs. Donc là, j'ai choisi les deux petits bouquets qui font les angles là. Je vais venir placer comme ça aux angles de mon. Là, je vais enlever cette partie-là. Ouh là là! Trop bien! Tout a bien pris. Là, il ne reste plus rien ici. C'est génial. Ok. Et maintenant, je vais retirer ça. Je pense que là on voit bien le motif. Ah, c'est trop bien, je suis trop contente. En plus la couleur me sort trop bien. Et ça c'est vraiment chouette. Bon bah du coup voilà, j'ai déjà terminé le transfert. Alors déjà je suis super contente parce que je trouve que bah, la couleur ressort bien. C'est, en fait c'est vraiment les couleurs que l'on voit, ça n'a pas ça ne sait pas comment dire les couleurs ne se sont pas affaiblies, donc ça je suis trop contente. Je pense que je vais pouvoir peut-être rajouter, bah en fait je vais peut-être rajouter toutes les fleurs au fur et à mesure, et je trouve que pour un petit peu accessoiriser, parce que bon là ça fait peut-être un petit peu vide, je sais pas, au fur et à mesure à voir. Mais ouais, du coup je suis trop contente, ça rend vraiment trop bien, vraiment ça m'a pris 5 minutes, top chrono. Il conseille du coup de laver et repasser à l'envers, donc ça va être plus pour les t-shirts je pense, ou même si pour les tote bags. Mais je suis vraiment contente parce que je trouve que le motif est super beau, les couleurs ressortent vraiment bien, tout s'est bien transféré. Vous voyez les petites fleurs, il n'y a rien qui est resté, donc ça c'est vraiment top. Et vraiment ça m'a pris 5 minutes top chrono, donc ça je suis super contente. Et franchement, bah ouais, trop bien. Donc voilà, top. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir !